l'intérêt de se pencher sur cette création a été une réflexion toute simple. À quoi sert-il d'utiliser un produit anti-ride si 3 cellules sur 4 meurent paranoxiques quand on arrête son utilisation ? Et au travers de ce produit, j'ai pu mettre au point un système qui permette de réoxygéner les cellules en profondeur et d'avoir un produit avec une rémanence de 11 jours après l'arrêt de son traitement. Regardez madame qui va montrer son côté droit, sans sourire. Hein, qui voit déjà un premier résultat après 30 secondes d'application de cette crème. Il est vraiment en quasi instantané, il y a un échange ionique instantané lié à la finesse de la molécule. On va rééquilibrer l'autre côté hein, en appliquant la crème. Voilà, on va tapoter un petit peu élargir le champ, et vous allez voir. Alors, imaginez que vous le fassiez sur l'ensemble du visage, crème de jour, crème de nuit, autour des yeux. On en rêve. C'est un effet de type Botox-like, sans Botox. Il entraîne ce transporteur d'oxygène et une relaxation des muscles faciaux, hein, tout simplement, qui s'ajoute à l'effet lipophilique. D'accord. Voilà. Bien sûr que je le veux. Bien sûr que je le veux. Je vais même en prendre plusieurs. Ça, c'est un stick volumateur des lèvres. C'est le premier stick volumateur des lèvres qui a été créé en l'an 2000 sur le plan mondial, qui 4 ans après a eu les victoires de la beauté pour sa texture et son efficacité. D'accord. Et depuis 11 ans, il n'y a aucun produit qui a été lauréat d'un prix de ce type. Les actifs qui constituent le stick sont naturellement présents dans la lèvre. Hein, ce sont des acides aminés que l'on a préparés comme étant déjà prêts à agir, à la réparer, à la repulper, à la réhydrater. Et il y a également de la vitamine E, antiradicalaire, et avec des tests scientifiques à l'appui, on s'aperçoit au bout d'un mois d'utilisation, matin et soir, qu'on augmente l'hydratation des lèvres de 80%. On peut mesurer au bout d'un mois d'utilisation 40% d'augmentation du volume des lèvres, et à l'arrêt du produit, eh bien, il va continuer à agir pendant 2 mois. Donc quand on l'applique, en plus c'est un stick transparent, quand on l'applique, on va éviter au rouge à lèvres de filer, on va le faire matin avant de se maquiller, après le repas de midi avant de se remaquiller, puis en fin de journée. Et on va masser avec le doigt pour continuer à faire une meilleure pénétration des actifs qui sont des peptides. Et cette innovation assez particulière nous a permis d'ailleurs, en novembre 2009, d'être lauréat du Grand Prix Médecine et Innovation.